Eskolik jabai lehen lehoan dugu hainbat ahlotan, ezagupen instituzionalean, Euskararen defentsan, bake iraunkoja eraikitzeko gatazka politikoaren konponketan eta gatazka horrek dituen ondorioetan, edo ere ego eskolegiarekiko lan aheman sendoak garatzeko lanetan. Ahlo horietan guzietan, gure militante eta autetxiak daramaten lanari esker aintzinatzen ari gira. Baina horiek ez dira EHBaiek dituen lan ildo bakarrak. Laborantza errikoia, ekoizpen ekonomia, etxe bizitza duina denentzat, bigarren etxe bizitzen zergapetzea, bastimendu eta etxe bizitza zaharren zaharberritzea, herri barnean arrapistea, lurren babestea eta garapen orekatua. Horiek ere lehentasunak dira guretzat. Ondoko 12 hilabetetan, hautagai abertzalek gure proiektua lau aizetara zabalduko dute. Bihar gure herrietako jendea ordezkatzeaz gain, gure hautetxiak, Ipar Euskal Herriko hautetxiak ere izanen dira. Proiektu koherentea eramaiteko gure lujalderako. Duela 6 urte, 2014-eko herriko hauteskunden abenturan, kolektiboki sartu ginelarik, hainbat helburu finkatu genituen. Ipar Euskal Herriaren lehen ezagupen instituzionala helbururik nagusiena zelarik. Agintaldiaren lehen bi urtetan, adostasun zabala izan zen lurralde kolektibitatearen proiektuaren alde. 2017-an, gure lurraldeko eragileek urrats bat aintzina egin zuten Euskal Elkargoa sortuz, eta hautsi-mautsi horri esker, gaur egun Ipar Euskal Herria instituzionalki existitzen da. Erregioak handitzen ziren garai horietan, eta besteak beste Akitania berria bilakatuz, funtsezko hautua egin behar izan genuen. Ipar Euskal Herria Austriaren neurriko makro eskualde batean zatikatua atxikitzea, edo oinarrizko instituzioaz janztea, Ipar Euskal Herriko hiru lurraldeak mapa administratiboan lehen aldiz agertaraziz. Herriko hautetxi gehiengo handiak bozkatu Euskal Elkargo horrek, paisaia instituzionala ahunt aldatu du. Badakigu, atzo herri elkargo ohi batzuetan eta gaur egun Euskal Elkargoan diren zonbait autetxik, beren funtzioa zoin den ez dutela baitezpada argi, eta beren erabakimena mugitzagoa ikusten dutela. EHBaitik txalotu nahi dugu hautetxi hauek agintaldi erdian egin zuten hautua, interes kolektiboa lehenetsiz, Ipar Euskal Herriari izaite juridikoa eta instituzionala emaiteko. Izan ere, segur gira, eta eguneroko jarduerak erakusten dauku, hautu hori egokiena zela. Hirigune elkargoa lehen urratsa besterik ez da, baina orain arte egin bidea izigarria da. Lehen bi urteak eraikitze eta abiatze urteak izan dira. Duela hilabete batzu, kontseiluak eskumenen edukia onartu du. 2019-a politika publiko sendoak martxan emaiteko, eskema handiak onartzeko urtea izanen da. Skota, joan ginen plana edo PDU, etxe bizitzarena, PLH, elikadura proiektua eta abar, denboran urbil ditugun itzordu garrantzitsuak dira. Momentu berean, lurralde proiektuaren zehaztea, lurralde politikak eta ondoko gobernantza paktuaren inguruko lana ere, etorkizunerako erronka handiak dira. 2019-an, fase berri batean sartuko gira, eta ondoko agintaldia erabakia izanen da, ambizio maila hor ikusiko baitugu. EHBai est en première ligne sur plusieurs fronts. Pour la reconnaissance institutionnelle, la défense de l'Euskara, la résolution du conflit politique et de ses conséquences, ou le renforcement de relations de travail pérennes avec le Pays Basque Sud. Autant de dossiers qui avancent grâce à l'implication de nos militants et de nos élus. C'est également vrai pour la défense d'une agriculture paysanne, pour des politiques de logement qui défendent le droit pour tous et toutes d'accéder à un logement digne et qui prévalent sur le droit d'en avoir plusieurs. Pour la taxation de résidences secondaires, pour la réhabilitation de logements et bâtiments anciens, pour la revendication de la revitalisation des centres-bourgs et pour la prévention du foncier. Ces 12 prochains mois, les candidats d'EHBaï seront les porte-parole de notre projet et demain nos élus, qu'ils soient en opposition en majorité et à plus forte raison siègent à la CAPB, seront à la fois des représentants des habitants et des habitantes de leur commune, mais également des élus du Pays Basque porteurs d'un projet cohérent pour l'ensemble de notre territoire. Il y a 6 ans, lorsque nous nous sommes engagés collectivement dans la préparation des municipales de 2014, nous nous étions lancés plusieurs défis. Le principal d'entre eux était d'obtenir des avancées significatives en matière de reconnaissance institutionnelle du Pays Basque.
Les deux premières années du mandat ont été marquées par un consensus large et une adhésion au projet de collectivité territoriale à statut particulier. En 2017, les acteurs de notre territoire ont décidé de franchir le pas en créant la communauté Pays Basque, un compromis qui permet au Pays Basque d'exister. Alors que les régions s'élargissaient, en particulier la région Aquitaine qui devenait Nouvelle-Aquitaine, nous avions un choix déterminant à faire. Soit garder un Pays Basque morcelé, noyé dans une macro-région à la taille de l'Autriche et avec une population équivalente à celle du Danemark, soit de doter le Pays Basque d'un premier échelon institutionnel et reconnaître l'existence, enfin, des trois provinces du Pays Basque Nord sur une carte administrative. La création de la communauté Pays Basque, validée par une très large majorité des élus municipaux, a complètement chamboulé le paysage institutionnel. Nous entendons les interrogations dont se font l'écho des élus, dont certains siégeaient au sein des anciennes intercommunalités et qui ont aujourd'hui un sentiment de dépossession et d'interrogation sur leur rôle et fonction. Saluons le choix qui a été le leur à mi-mandat de privilégier l'intérêt collectif pour donner une existence juridique et institutionnelle au Pays Basque. Car ce choix, plus que jamais, et la pratique nous conforte dans ce sens-là, fut le bon choix. Certes, l'agglomération ne constitue qu'une étape, mais le chemin parcouru à ce jour est considérable. Ces deux premières années ont consisté une phase de mise en place, de construction. Il y a quelques mois, le contenu des compétences a été validé par le Conseil communautaire. L'année 2019 va marquer une orientation forte sur le contenu des politiques publiques avec l'adoption de grands schémas. Le SCOT, le plan des déplacements urbains, PDU, celui de l'habitat, PLH, le projet alimentaire du territoire, d'une part, et sur la gouvernance avec la définition du projet communautaire, la politique des territoires et la redéfinition du pacte de gouvernance. Enfin, l'année 2019 va marquer la fin de cette mise en place et de fait l'ouverture d'une nouvelle phase. En conséquence, le prochain mandat sera déterminant pour l'avenir du Pays Basque Nord. Il marquera le niveau d'ambition. Erran dugun bezala, eskola elkargoa lehen urratsa besterik ez da, ongi kausitu beharreko urratsa, urrunago joan ahal izaiteko. Ipar Euskal Herriaren errealitateari egokiena den lurralde kolektibitatea eraikiz. Tresna instituzional sendo hori baitez badakoa da, herriekin batera erronka klimatikoari erantzuteko adibidez. Ekintza publikoko arlo guztiak garrantzitsuak badira ere, beroketa efektuari buruz egin behar Barkatu, beroketa efektuari buru egin behar diogu eta ezin dugu desafio hori huts egin. Adituek deiadarra maiz jotzen dutenez, erronka denek dugu gogoan. Orain, zezena adarretatik hartzeko tenorea da. Frogatua da tokian toki eramaiten diren ekintzek ere, erantzun konkretuak ekartzen dituztela. Ipar Euskal Herrian tresna iniz dugu, tokiko kolektibitateekin batera garatu behar direnak, transizio ekologikoan buru beharri sartzeko eta ekonomia alternatiba berriak asmatzeko. Euskoa, mugikortasun plana, energia garbi ekoizpen unitate txipiak, tokiko mozkin biologikoak kantinetan, laborantza herrikoiari sustengoa. Ipar Euskal Herrian praktika jasangarriagoa garatzeko tresnak eskuartean ditugu. Gure proiektuak gehienik sufritzen dutenak ere kontutan hartzen ditu. Ipar Euskal Herria, justizia sozialeko lurraldea izaitea nahi baitugu. Herritar hainitz baztertuak senditzen diren garai hauetan eta kanpainetan zerbitzu publikoak bat bestearen ondotik jesten dituztelarik, toki maila da eragiteko egokiena. Herritarrak herrita auzoetan hartzen diren erabakietan parte jaraziz, proposamen indarra izanen gira. Jende eta sozial harremanak herriaren jardueran berriz ezartzeko. Herritarren artean, klase politikoarekiko eta instituzioekilako mesfidantza gero eta handiagoa den garai honetan, herri maila da, gure ustez, mailarik egokiena eguneroko arazoei eta herritarren beharrei erantzunak emaiteko, herriak baitira herritarrek dituzten instituzio hurbilenak. Hauteskunde hauek ambizioz beterik hasten ditugu. Eramaiten dugun proiektu alternatiboa bai herrietan, bai Euskal Elkargoan garatzeko asmoarekin. Herria eragiteko maila pertinentea dugu. Gure proiektu politikoak hurbileko eskala horretan hartzen baitu zentzu osoa. Eta Ipar Euskal Herria gure eremu naturala da. Gure proiektua zabaltzeko eta martxan emaiteko auzapez eta herriko hautetsi gehiago behar dugu. Euskal Elkargoan dugun ordezkaritza ere zabalagoa izaitea nahi dugu. Kudeak eta postuetan izaitea eta tokiko eksekutiboetan sartzea da gure asmoa.
Tokiko errealitate desberdinak kontutan hartuko ditugu, gure proiektua ahal bezain ikusgarria izan dadin. Posible eta pertinente izanen den herri guzietan zerrenda abertzaleak aurkeztuko ditugu. Gure betiko baloreei atxikiz, gure desmartza idekia da, eta prez gira gure oinarrizko baloreak partekatzen dituzten beste indar politiko batzuekin bidearen parte baten egiteko. Gaur, deialdi bat pasatzen dugu, deialdi hori gure baloretatik hurbil senditzen diren guziei zuzendua da. Deialdi hori Ipar Euskal Herri buru jabeagoa, politika, elikadura, energia eta ekonomia mailan, nahi dutenei luzatzen diegu. Deialdi hori Ipar Euskal Herri zuzenagoa eta elkartasun handiagokoa eta ekologikoki arduratsuagoa desiratzen dutenei zuzendua da. Balore hauekin guziekin bat egiten duen jende guzia, gomitatzen dugu gure dinamikan parte hartzerat. 2020ko martxoko erriko bozak eta elkargokoak hitzordu garrantzitsuak izanen dira Ipar Euskal Herrian etorkizunerako aldaketa globala toki mailatik hasten dela konbentzituak baikira. Herrietatik Euskal Elkargorat present erantzunen dugu. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, nous souhaitons aller plus loin sur le chemin institutionnel avec un fonctionnement plus démocratique, plus participatif, avec les citoyens et les citoyennes, et en récupérant des compétences, notamment départementales et régionales, qui seraient exercées par une collectivité territoriale à statut particulier. Et cet outil institutionnel puissant est nécessaire, dans le prolongement des communes pour répondre par exemple aux défis climatiques. Tous les domaines des champs d'action publique sont importants, mais en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, nous n'avons pas le droit de perdre cette bataille. Les scientifiques alertent régulièrement, la prise de conscience est là. Maintenant, il est urgent de passer à la vitesse supérieure et poser des actes forts. Il est démontré que l'échelle locale est tout aussi importante pour apporter des solutions concrètes. Le Pays Basque regorge d'initiatives diverses et variées qui ne demandent qu'à être reprises et développées pour changer d'échelle et accélérer en matière de transition écologique et d'alternatives économiques. Adhésion à l'EUSCO, plan de mobilité, mise en place de petites unités de production d'énergie propre, produits locaux et biologiques dans les cantines, soutien à l'agriculture paysanne, priorité à l'économie productive. Les mesures et les décisions ne manquent pas pour avancer rapidement vers un Pays basque aux pratiques plus soutenables. Le projet d'EHC Bail se caractérise aussi par l'engagement auprès de ceux et celles qui sont le plus en souffrance et tend à plus de justice sociale. À l'heure où bon nombre de citoyens se sentent décrochés, avec des services publics qui ne cessent de déserter les zones rurales. Là encore, l'échelle locale est la plus pertinente. En associant les habitants aux décisions dans des communes et les quartiers, nous serons force de proposition pour remettre les relations humaines et sociales au cœur de l'action municipale. En ces temps difficiles, où un large sentiment de défiance à l'écart de la classe politique et des institutions traverse la population, l'échelon communal est le niveau de référence pour nombre de nos concitoyens et concitoyennes, et nous estimons que c'est l'échelle appropriée pour répondre aux attentes et demandes d'un bon nombre de situations du quotidien. Nous abordons ces élections avec des objectifs ambitieux. Nous portons un projet alternatif que nous souhaitons mettre en pratique tant à l'échelle des communes que de la communauté Pays Basque. Nous entendons élargir notre nombre d'élus, obtenir plus de mairies et de conseillers municipaux. Nous voulons accroître notre représentation au sein de l'agglomération. Nous sommes prêts à accéder à des postes de gestion et intégrer les exécutifs locaux. Nous défendrons ainsi notre projet et nous pourrons mettre en œuvre l'alternative que nous portons à travers nos idées. Selon les réalités municipales, nous apprécierons les configurations qui offrent le plus de visibilité et de poids à notre projet. Dans toutes les communes où cela est possible et pertinent, nous présenterons des listes. Pour autant, notre démarche se veut aussi ouverte. Nous sommes bien évidemment prêts à partager un bout de chemin aux côtés des forces politiques et des forces citoyennes avec qui nous nous retrouvons sur des combats communs. Le niveau municipal est notre niveau d'action. Il représente cette échelle de proximité dans laquelle notre projet politique prend tout son sens. Le niveau Pays Basque, quant à lui, est notre terrain naturel. Aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes les personnes qui se sentent proches de notre projet politique. Nous nous adressons à toutes celles et ceux qui croient à un Pays Basque prenant en main son destin et avançant vers la souveraineté, sur le plan politique, alimentaire, énergétique, faisant de la justice sociale et de la solidarité le fil rouge de ses politiques publiques et résolument engagé face aux défis écologiques comme le changement climatique ou la sauvegarde de la biodiversité.
Une partie importante se joue au mois de mars prochain pour l'avenir du Pays basque et de ses communes. La volonté d'un changement de système global passe par un engagement local. Nous sommes prêts à relever ce défi et à prendre nos responsabilités.